J'ai commencé donc à étudier la photographie dans les années 90 à l'école de photo d'Arles. Ensuite, j'ai pratiqué ce médium assez assidûment pendant les 15-20 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, avec pendant les premières années pas mal de travaux de commande pour des magazines français, internationaux, plutôt dans le domaine de la mode et plutôt sur des portraits de personnalités. Puis parallèlement à ça, j'ai toujours développé un travail personnel, des images de lieux, de gens, de tout ce qui parcourait ma vie depuis ces moments-là. Et puis cette photographie est devenue de plus en plus prégnante là, depuis quelques temps, quelques années. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur des images de paysages et de lieux. Alors l'idée, ce ne sont pas des paysages comme des choses figées comme ça dans le temps, mais plutôt des lieux à voir comme des espèces de théâtre de choses possibles ou passées ou futures. Voilà. Et ce travail est né de différentes choses un peu diffuses qui datent de l'enfance, à savoir une espèce de goût abstrait quand j'étais enfant, légué par mes parents pour l'Amérique latine, et puis une esthétique. La découverte plus tard de la photographie mexicaine, américaine, à partir des années 30, 40, et puis évidemment plus tard. Et puis plus récemment, de goût pour une certaine littérature réaliste, pour des lieux, et notamment pour le sud espagnol, où je passe du temps à la fois pour les vacances et puis à d'autres moments quand j'ai un petit peu de temps pour moi. Où j'ai fait beaucoup de photographies depuis quelques années, et notamment à Lanzarote, qui est la série qui est présentée ici. Et c'est des endroits qui m'ont beaucoup touché, beaucoup ému, et pour une raison qui est assez simple, c'est que moi je ressens le monde contemporain, et notamment le monde urbain, comme de plus en plus fictionalisé d'une certaine façon, et que pour le coup, la présence de la nature engendre chez moi une espèce une présence au réel qui est très forte à ce moment-là, je trouve. Alors que c'est assez paradoxal, normalement on pourrait penser que ça devrait être l'inverse, mais voilà, y a une chose comme ça qui fait que cette nature, je la trouve extrêmement prégnante et extrêmement, extrêmement réelle. C'est beaucoup d'images en noir et blanc, quelques images en couleur aussi. Alors, parallèlement à ce travail, il y a un livre qui sort chez Kerrer aussi sur la même thématique, mais avec plus d'images, qui est un objet différent de l'exposition. Je pense que le livre et l'exposition sont des projets différents, complémentaires, mais assez différents. Et donc, il y a quelques images couleurs. Le couleur, je l'utilise toujours quand elle me paraît absolument nécessaire, quand elle amène une information que le noir et blanc n'amène pas. Dans le cas contraire, la majorité des images, je les fais en noir et blanc. Pour beaucoup d'entre elles, je vois les choses un peu plus comme ça. Et quand la couleur n'est pas nécessaire, je décide de ne pas la mettre, qu'il y a un côté un peu essentiel dans tout ça.